Nexus. There's a massive wall that is super massive right now. Nightknot's feeling himself. He wants one more. Bang! Double kill! Pentagram. We want to see this redemption story, and it just has not happened yet. Both of the games, the first one, close. The second one, an absolute slaughter. We just didn't try to anything. We need to be more aggressive and make some plays. 모든 팀이 저희 쓰레쉬를 배냈는데 제가 왜 다른 팀이 왜 쓰레쉬를 배냈는지 카구한테 보여줬던 것 같아요. With a nice attempt, Ranger. Oh no, he might get picked up. Half big game, but not quite catching the flash for the taunt. Todos nós decepcionamos, mas a gente tem chance ainda. A gente acredita até o último momento. They pick up the 3-0 on the day and establish themselves as the best play-ins team. We can definitely beat Supermassive. We're going to come out a lot stronger. We're going to have a better plan. And I just hope that they're ready to face us as well. 올라오려고 하면 바로 그 희망을 뭉개주겠습니다. Bonjour à tous et bienvenue sur Eurogaming pour la dernière journée de poule du play-in. Ellie, on attaque la journée retour du groupe B avec notamment les Turcs de Supermassive qui sont en première position, les Brésiliens, les Australiens, j'allais dire Océaniens, mais bon, disons Australiens plutôt, et les Japonais de Pentagram également, Ellie. Ouais, effectivement, on a un scénario qui s'approche un petit peu de ce qu'on a pu voir dans le groupe A, à savoir un énorme ogre, en fait, hein, qui est donc cette équipe turque, pardon, des Supermassives, avec derrière, eh bien, trois jeunes bambins qui caracolent tant bien que mal, avec notamment bah, un mauvais élève de ce groupe B, à savoir les Pentagram, anciens Rampage, qu'on a pu voir évoluer sur l'édition précédente du tournoi. C'est un petit peu difficile pour l'équipe japonaise, malgré l'ajout de deux joueurs coréens qui va être ramené cette année, malgré une structure ouais. qui se revendiquait comme, voilà, après avoir passé peut-être quelques époques un petit peu compliquées en rédemption. C'est toujours difficile, là où chez Kaboom, ça roule pas mal pour l'équipe brésilienne, il faut le reconnaître. Le niveau de jeu, alors j'avoue que j'ai été assez étonné sur la première journée dans la confrontation, c'était face à Dire Wolves, donc l'équipe australienne. Puisque ça a été un match très one-sided, enfin complètement one-sided d'ailleurs. Ouais, et comme on peut le voir, le groupe A, on a eu donc l'issue de cette poule hier. Les Gambits se sont qualifiés pour le knockout stage. Chaos Latin Gamers, ça finit deuxième. Rainbow Seven, troisième. Et Ascension Gaming, quatrième. D'ailleurs, c'est Rainbow Seven, il sera 3-3, il me semble. Ah, yeah. Petite coquille éventuellement, bon, dans tous les cas, ça changera pas le... C'est bizarre, ou alors, ouais, je sais pas. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que Supermassive sont à 3... En fait, on a le même classement dans le groupe B que dans le groupe A suite à la première journée. Donc, comme tu le disais, Supermassive largement premier. Les Turcs avec Snowflower, qu'on a vu en interview, l'ancien support de LCK, mais également Gang by Mom sur la mid lane. D'ailleurs, Wolves, donc les Australiens qui perfent pas mal, qui ont été largement reconnus pour leur match dans la première journée du groupe B et qui espèrent quand même voler cette première place au Supermassive. Kaboom, alors 1-2, bon, les Brésiliens, pas mauvais, mais loin quand même du statut de super région wildcard normalement qu'occupe le Brésil. Et on voit que dans ce duel entre Turquie et Brésil, qui a souvent rythmé les affrontements finalement entre régions qui veulent accéder aux grandes compétitions internationales, il y a toujours eu cette grande rivalité entre les deux régions. Et pour l'instant, la Turquie semble quand même bien au-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un retour des Brésiliens aujourd'hui, Ellie, sachant que
il faut faire un perfect. Et derrière, il faut espérer que ça se plante quand même un peu du côté des supermassives. Bah, j'ai envie de te dire que ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai, quand on regarde l'équipe turque, ça a triché un petit peu. Hein. Ça a ramené du joueur coréen et pas n'importe lesquels. Hein. C'est Gang Baimum qui est. Enfin, ils en ont aussi chez Pentagram. Oui, non mais d'accord. Enfin, de point de mesure chips, j'ai envie de te dire. Entre Gaëng qui a montré un bon niveau d'ailleurs, hein, le support des joueurs Pentagram avant-hier sur sa deuxième game, parce que la première était vraiment assez chaotique. J'ai envie de te dire que pour moi, Supermassive semble quand même plus convaincant en général si on regarde en fait l'intégralité des compartiments de jeu. Maintenant, je trouve que le format du tournoi, il laisse complètement la place à une upset parce que c'est du BO1, parce que les équipes de ces play-in jouent très massivement, très agressives tôt dans la partie et qu'on sait que ça c'est le genre de playstyle qui laisse peut-être plus de place justement à un scénario d'upset et que derrière, du côté du Brésil, même si on s'est fait avoir par Dire Wolves, ça reste une équipe qui a un niveau mécanique qui est très pertinent, un niveau macro qui également n'est clairement pas honteux. Donc j'ai envie de dire, il faut voir la composition d'équipe, sachant qu'il joue un petit peu de Chesier, hein, Dean Quendo qui nous est sorti des Leblanc sur la première journée qui faisait assez peur. Enfin, pour moi, c'est quand même très ouvert. Si on est dans un format de BO3 ou BO5, clairement, pour moi, l'équipe turque passe sans trop de problèmes. Maintenant, dans un BO1, ça veut dire tout est possible. Ouais. Alors, on remarquera, comme dans les Turcs de Supermassive, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais on a notamment Stomage, leur jungler, qui n'est pas mort une seule fois sur la première journée de ce groupe B. Donc, ça reste, il reste le joueur encore non tué dans ces play-ins du MSI. On va voir si les équipes d'aujourd'hui vont pouvoir le faire tomber. C'est Supermassive, donc, qu'on voit avec effectivement une forte tendance à dominer leur league game, notamment au niveau de la première tour et une durée de game assez faible quand même, en 31 minutes. On est sur quelque chose. Enfin, en général, je dirais quand même, les équipes sur LoL ont plus tendance à tourner autour des 34-35 minutes cette saison. 31 minutes, c'est quand même assez faible. On le voit, contrôle du dragon, très solide. Herald, pareil. Baron, pareil. Bref, pour l'instant. Et puis, bon, le 93% de victoire en saison régulière, c'est une équipe en pleine confiance. Les Supermassives, avec donc des joueurs qu'on connaît bien, hein, Snowflower, Gang Baimum, puis même en tant que joueur turc, Zaytnot, Stomage et Fabulous ne nous sont bien sûr pas inconnus, Eli. Non, clairement pas. Hein. Bah, c'est vrai que la Turquie, il y a eu un petit point intéressant à la suite du mercato qu'on a pu avoir cette année, justement, là, bon, qui était quand même particulièrement important avec l'arrivée des franchises en NA. Il y a eu quand même une grosse migration de flux financiers. Et quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était que la Turquie était peut-être le nouvel Eldorado en fait, d'exode des joueurs coréens, enfin en fait des joueurs de League of Legends qui seraient en quête peut-être d'une terre un petit peu moins exigeante que la Corée ou que leur terre vraiment natale. Ouais. Et parce que il y a une proximité avec l'Europe pour pouvoir scrim. Il y a de l'argent aussi en Turquie, il faut le reconnaître. Et puis il y a un niveau de jeu qui est très bon, comme tu le disais. Du côté, je pense notamment à Zaytnot. Alors, Stomage et Fabulous sont excellents. Mais si pour moi, il y a l'un des trois joueurs à mettre vraiment en avant chez l'équipe turque, c'est vraiment Zaytnot qui est juste complètement fou actuellement. Ce qui est intéressant en plus avec la scène turque, c'est qu'elle est quand même massivement suivie. On utilise beaucoup le mot massif. C'est pas parce qu'on a des super massives aujourd'hui, mais parce que l'adjectif correspond du coup. On a cette scène turque, on voit en termes de chiffres de streaming, quand il y a des équipes turques qui jouent, souvent on atteint des chiffres extrêmement élevés, un peu comme le Brésil aussi, qui à ce niveau est assez impressionnant. Donc il y a un gros engouement, comme tu l'as dit, il y a plutôt de l'argent, puisqu'on a réussi à débaucher des joueurs coréens, alors pas non plus super prestigieux, mais un joueur comme Snowflower est quand même une très bonne recrue. Ouais. En LCK, c'était considéré comme étant un bon support quand même. Donc, ils arrivent à attirer. C'est vrai qu'ils ont quelques joueurs locaux, alors qu'on retrouve quand même d'année en année, mais qui sont quand même très solides. Ouais, c'est une équipe, c'est d'ailleurs une région qu'il faudra suivre, je pense. Et clairement, le concurrent direct du Brésil pour arriver au statut vraiment de domination en fait, au niveau de ces petites régions. Et donc pour parler rapidement du Brésil, les Kaboom eSport Chips qu'on verra jouer un petit peu après au niveau du schedule, les Kaboom qui font leur entrée en deuxième match contre les Dire Wolves. Alors bon, on va vous montrer le planning de la journée, hein, tout simplement. Première rencontre, Pentagram contre Supermassive. Deuxième match, donc Dire Wolves contre Kaboom, hein, forcément. Pentagram, Kaboom. Alors,
Au vu du classement avant le début de cette journée, la finale du groupe semblerait se jouer en quatrième rencontre. D'ailleurs, Wolves contre Supermassive autour de 14h. Puis Supermassive contre Kaboom, hein, ce choc entre Turquie et Brésil. À voir si les Brésiliens de Kaboom auront su remonter la pente. Ce sera leur dernier match de la journée, donc ça pourrait peut-être être le match décisif s'ils ont réussi à remonter un peu. Et Supermassive, si jamais l'équipe turque a rencontré quelques difficultés, on ne sait jamais. Ouais, ouais, effectivement. J'avoue que j'ai hâte de voir ce Dire Wolves de Supermassive. Voir aussi, est-ce que Kaboom va être capable de reprendre le sens sur Dire Wolves qui bat pour le coup. Alors, pour l'OPL, donc pour Dire Wolves, équipe d'Australie, équipe d'Océanie, il n'y a pas du tout cette situation très confortable que j'ai dû avec la Turquie et qui même en fait peut valoir pour le Brésil, à savoir une proximité avec une très grosse région en termes de scrim et en termes d'apport de savoir. Pour le coup, on est vraiment à l'autre bout du monde, on est complètement isolé et ça fonctionne très bien pour le moment, il faut le reconnaître d'ailleurs Wolves. Alors, pas au niveau de la Turquie, bien entendu, mais c'est une équipe où on les connaît aussi. Hein. Shippy, Shinfire, qui restent des noms qu'on a pu voir revenir régulièrement. Des petits ajouts quand même, Triple, et je pense à King aussi, qui reste assez pertinent aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans un tournoi dans lequel les ADC, en général, sont quand même assez mis en avant. Ouais, et bah encore, on n'est pas dans le tournoi, enfin, dans le tournoi principal qu'on attend tous, où on a vraiment des super noms en tant qu'AD Carry. Et de toute façon, c'est vrai qu'on peut voir, pas mal de champions type Karma dans ces play-ins du MSI. Karma, forcément, c'est un pick qui met en valeur les AD Carry. Tu aimes avoir une Karma dans ton équipe quand tu es un ADC. Et donc, oui, c'est vrai. La méta qui semble de plus en plus favoriser les AD Carry. Et puis derrière, on a les petits noms qui font plaisir. Je pense à Titan, notamment, du côté de Karma. Alors, il paraît qu'il faut prononcer Chitan. Chitan ? Très bien. C'est vraiment très différent de Titan pour le coup. J'ai lu un tweet d'un caster US ou peut-être de Shox, je sais plus exactement, mais qui disait il est venu vers nous et il nous a dit qu'il voulait que ce soit prononcé Chitan. Ça me paraît un peu bizarre parce que pour le coup, entre Titan et Chitan, il y a un petit monde quoi. Mais après voilà, je ne suis pas le joueur en question. Et on parlait un peu des noms coréens en Turquie, Ailey. Donc voilà, pour vous donner une petite idée quand même de l'ampleur du mouvement dans la Ligue turque. Donc on a en Chaser et Frozen, vous le savez, chez le Fenerbahçe 1907. On les avait vus au Worlds l'année passée. Chez Supermassive, on a donc Gang by Mom et Stoneflower. Mais c'est pas fini. Hein. Dark Passage, une équipe que vous connaissez également. Et il se tient beaucoup la bourre finalement en Turquie parce que toutes ces équipes-là, on les a toutes vues régulièrement en compétition internationale. Donc chez Dark Passage, par exemple, vous avez Kakao dans la jungle. Chez les Royal Bandits, vous avez des joueurs comme Malrang et Septed qui l'année passée avaient percé dans les ligues coréennes, notamment du côté des Everate Winners. Septed étant considéré comme un des joyaux coréens de la mid lane, exil en Turquie pour l'instant. Chez Team Aurora, vous avez Wisdom, notamment, un jungler qu'on connaît bien en Europe. Et du côté du Youth Crew Esports, vous avez un joueur comme Coco. Oh là Coco bien connu, hein, qui a été un des derniers midlaners des CJ Entus à leur grande époque encore. Tous les stats foreigners ils sont occupés par des Coréens. Il n'y a pas d'exception. Hein. Et on est parti, Ellie, pour cette draft. Pentagram contre les Super Massive. Pentagram fait bien sûr figure d'amuse-gueule pour Super Massive. Mais voyons voir s'ils ont quelque chose à nous proposer et s'ils peuvent justement contrer les dires, contrer les tendances qui sont largement en faveur des Supermassives bien entendu. Ouais, ça c'est sûr hein, pour le coup. Alors, respect du trash de Snowflower, on a vu pendant l'introduction, il a été open une seule fois dans le tournoi pour l'équipe turque et clairement la sentence de mort s'est abattue sans réponse plausible pour l'adversaire. Derrière la Kaisa qui va dégager de Kaisa Kha'Zix pour Once. Et FabFabulous qui se fait respecter sur son GP. FabFabulous qui pour l'instant a été la plupart du temps mis en avant sur des top laners carry, notamment Gangplank. Un petit chaîne aussi qui avait été très intéressant. Et c'est vrai que pour le coup je suis assez curieux de voir ce qu'il pourrait proposer peut-être sur de la Camille, ce genre de choses qui est disponible pour le moment.
pour l'instant, effectivement. Pas de Morgana laissée ouverte par Pentagram. Et Supermassive. Alors, ban Kai'Sa, ban du Kha'Zix. Et on va terminer. Swain, pas Swain. Et ouais. What's... Effectivement. Alors, pour l'équipe japonaise, Caitlyn est disponible. Et ce sera ça, cette ce first pick Rakan. C'est vraiment, je pense, le first pick de ce play-in pour le moment. Ouais, bah, ça va ce qui est intéressant, c'est que ça dépend pas mal des groupes. Dans le groupe A, c'était pas. C'était moins visible, je dirais. Donc, on a vraiment des tendances en fonction des équipes. Mais c'est marrant parce que c'est un truc que souligne beaucoup de joueurs pro, justement, et de personnes de la scène qui ont dit régulièrement que Rakan était parfois trop. Un peu fort. Non, parfois juste. Pas assez plébiscité, peut-être. Ah oui, pas, mais par certains, plus, c'est plus dans le groupe A qu'on a cette situation, il me semble. Et alors, côté Supermassive, le pic de la Xayah pour éviter la combinaison avec le Rakan. Et on va partir sur. Oh, je voyais le scanner de Stomage, mais ce sera finalement une Leona pour Snowflower, un duo explosif, Ailey. Ah oui, bah là, le pic Rakan, bah first pick, tu le sens passer. Énorme contre, hein. On avait beaucoup d'Alistar en réponse à ce Rakan. Et Snowflower est un très très bon joueur d'Alistar au passage. C'est vrai. Et derrière, la Leona, c'est peut-être c'est la version contre du Rakan mention plus agression. Vraiment, là pour le coup, il y a énormément de dégâts. On devrait porter un Ignite pour le support coréen des Supermassives avec une Xayah derrière. Bon, les dégâts vont juste être monstrueux. Et la Caitlyn pour Pentagram. C'est. Honnêtement, à part cette Leona, ces 5 premiers picks, c'est vraiment ce qu'on a pu voir, en tout cas dans le groupe B, tout au long du tournoi. J'ai les stats sous les yeux, c'est 94% de présence Rakan. Pareil, 89% pour Caitlyn, et le Trundle est à 100%. Vraiment, c'est du tout classique, et côté Supermassive, par contre, là, on sort des sentiers battus. Oh, une Elise pour Stomage, normalement, hein, Elise dans la jungle, hein. Je crois pas qu'il y ait de nouveaux builds ou autre, ou de nouvelles positions sorties pour Elise, donc on reste dans la jungle. Mais c'est vrai que c'est un pic étonnant pour les Supermassives. Et dans l'idée, vu que c'est pris contre Trundle, j'imagine que Stomage est assez confiant dans sa capacité à oblitérer peut-être Trundle en 1v1. Ah oui, probablement. Oui, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Mais effectivement, Elise, dans l'idée, du stun, du burst. Du sustain, je vois pas pourquoi ce serait un mauvais pick contre Trundle. Trundle étant mis en danger par les picks qui font beaucoup plus de dégâts que lui en début de partie. Et principalement les picks en plus qui ne sont pas AD, hein, puisque la morsure pour le coup contre une Elise elle n'a aucun impact. Et derrière, bah, t'as une Leona, donc ça veut dire que sur une situation de roaming en 2v2 avec un Snowflower, un Stomage un petit peu énervé. Je vois pas qu'est-ce qui peut tanker ça chez Pentagram, même contre le Rakan. Hein. On sait que c'est aussi la faiblesse de Rakan, c'est un très bon personnage d'engage, c'est très polyvalent, mais ça reste très fragile. Je vois pas dans quel monde Gain va pouvoir encaisser ça. C'est, en tout cas pour moi, Supermassive, ils annoncent la couleur, c'est une game qui va se finir en 20 minutes. Ça risque d'être très agressif, effectivement, quand tu joues Leona plus une Elise. Normalement, tu cherches à mettre beaucoup de pression sur les épaules de tes adversaires. T'as quand même beaucoup de contrôle avec ces deux champions, donc si jamais ils arrivent à un peu se trouver, Stomage et Snowflower, ça pourrait faire un carnage. Vladimir et Irelia ban par les pentagrammes. Et donc pas de Cassio et pas de Ryze du côté des Turcs de Supermassive. Vers quoi on va s'orienter dans ce cas? Talia est dispo. Pas de Ryze, qu'est-ce qu'on a envie de sortir? La Karma pour Gang by Mom. C'est l'un des picks sur lesquels il a été. Il a le plus évolué dans ce tournoi pour le moment. Vladimir était. Non, pardon, je veux dire Vladimir Open, pas du tout. Pas du tout. Hein. Pentagram qui l'a respecté, parce que c'est l'autre champion sur lequel il fait vraiment peur aujourd'hui, ce Vlad. Alors, réponse pour PGM. Pour le coup, Talia semble tout indiquer. Maintenant, Syndra en pocket. Attention à un champion statique hein, sur la mid lane. Attention, il y a une Elise en face. Il y a une on garde le counter chez. Enfin, on garde le counter. La Karma a de très grandes chances d'être joué mine, mais pourquoi pas un petit cheese et jouer top. Il y a toujours cette possibilité, c'est vrai que Karma est vraiment un pick qui peut évoluer sur différentes positions.
Donc on va le garder en tête, même si bon, ça devrait plutôt être sur la mid lane. Et qu'est-ce qu'on nous sort pour Paz et pour les pentagrammes? Un dernier pick Horn pour la top lane. Ouais, très belle promotion de teamfight quand même pour le pentagramme. C'est très très solide. Les supermassifs sont vraiment dans une optique très différente. Hein. C'est... on voit plus le côté confiance et on va vous écraser parce qu'on pense qu'on est supérieur du côté des supermassives. Avec, c'est vrai, ces piques Elise. Ce pic Elise notamment qu'on n'attendait pas. Après bon, Leona encore une fois se justifie pas mal par rapport à Rakan. C'est un champion qui pose des problèmes aux engages de Rakan. Et on terminera donc par le Shen de Fabulous. Ouais, son deuxième pic référence et qui va complètement dans cette optique supermassive, à savoir très agressif. À savoir que notamment le Stay United pourrait permettre un scénario de dive au niveau du bot side. Avec une Elise qui en plus a de gros arguments là-dedans. Sachant qu'en plus sur la mid lane, côté GBM, on a un TP, donc on va pouvoir se rendre disponible assez rapidement de voir le push face à Ramun. Avoir quand même le choix au niveau des désintégrateurs de minions entre les deux mid laners, mais je dirais que naturellement on aura un ascendant pour GBM. Dans tous les cas, tu l'as dit, Supermassive, c'est une composition d'équipe qui est là pour montrer en fait qu'on est juste plus fort mécaniquement. Par contre, il faut pas se rater. Si jamais à 25 minutes de jeu tu tombes derrière, vu la composition teampack qui est en face, vu le scaling, ça va être dur à remonter. Ce qui est intéressant, c'est ils ont vraiment une très bonne compo pour prendre des fights tôt dans le match, les Supermassive. Maintenant, sur la domination de lane pure, Shen face à un Horn, tu vas avant ton Tiamat, le Shen quand même est derrière sur la capacité à wave clear. Mid par contre, on sait que Karma est vraiment un pick très solide, mais Syndra ne l'est pas moins, donc je pense qu'on a une forme d'égalité plutôt au niveau de la mid lane. Reste le bot où vraiment la draft des supermassives elle semble parfaitement orientée pour aller contrôler la bot lane. Hein. Une Karma qui peut clear rapidement et qui a un gros potentiel de décalage grâce à son speed up. Shen bien sûr avec son ulti. Et les capacités de gang d'une Elise combinées avec une Leona. Il y a vraiment de quoi démolir la bot lane du côté des supermassives. On va voir si c'est la tendance qu'ils vont emprunter et favoriser, bien sûr. Premier match de la journée, on vous rappelle, c'est la deuxième journée de ce groupe B, la journée décisive, puisqu'à la fin, au milieu de l'après-midi, on saura quelle équipe rejoindra les Evos, les Gambits et les Flash Wolves lors du knockout stage, Ellie. Ouais, complètement, effectivement. Alors, côté supermassive, et pour payer le pentagramme, hein, même scénario, couverture simple, de part et d'autre. On a juste envie de jouer la ligne tranquillement, pas de deep ward. Et ça pourrait coûter cher à PGM parce qu'une Elise, t'as envie d'avoir l'information sur son starter, t'as envie de savoir où est-ce qu'elle est tôt dans la partie. Parce que tu portes l'électrocution, il y a une sorcellerie derrière, ça va taper très très fort pendant qu'on voit les stats de Stomage qui reste l'un des tout meilleurs junglers. Tu l'avais dit, Chips, il n'est pas mort une fois dans la compétition pour le moment. Pas encore. Et c'est vrai que sur les stats. Notamment la jungle proximity kill plus assist à 15 minutes. On voit quand même le style du joueur qui est très porté sur l'offensive. On est parti au niveau du raid directement pour Stomage. Les stats de Flower aussi, 60% de positionnement agressif au niveau de la lane. On sent qu'on n'est pas là pour faire dans la dentelle pour Supermassive. Et Startup Side, comme tu l'as précisé pour les deux junglers. Au niveau de ce bot, Start OQ pour Znote, on s'en doutait. Niveau du top, alors petit point des intégrateurs de minions. Donc, Paz qui a envie de pouvoir jouer la pression. Attention à ça, ça pourrait peut-être laisser présager des invades à deux avec Once pour justement aller chercher l'information sur cette Elise. Et on entra aussi des intégrateurs de minions pour Ramun au niveau de la mid lane. On va être capable de tenir un petit peu ce push. On n'a pas fait ce choix là d'ailleurs pour GBM. Et GBM qui a fait le choix de l'aéri. Donc, on est quand même sur une Karma aéri avec domination, deuxième arbre. Donc, c'est vraiment une Karma qui va deal énormément. Attention, c'est l'engage de la part de Stoneflower. On n'est même pas passé niveau 2 pour Stoneflower et Zaytnot, mais on a senti une ouverture et Gang qui prend énormément de dégâts de la part du duo des supermassifs. Plus d'Ignite pour Stoneflower. On a pu voir Yutori Moyasi qui allait positionner sa ward dans le buisson juste au-dessus. Donc, côté pentagramme, on sait que la Elise a commencé topside. Et on se méfie vraiment de cette combinaison avec la Leona. Ah, bien entendu. De la vision est récupérée. Stomage qui passe par derrière. Et pour l'instant, le Trundle est un peu en avance en direction de la bot lane. Mais
Il n'a pas de vision derrière lui. Donc là, Stomage n'est toujours pas repéré par les pentagrammes. Est-ce que tu as envie de jouer ce 3v3? Attention, ah, c'est l'engage. C'est l'engage. C'est pas la position des Lignite. Sur Snow Power, le stun, le flash. Stomage! Stomage qui flash sur un Spear Cannon et First Blood pour Watts, le TP. De la part de Fabulous, non, c'est Gang by Mom qui va arriver. C'est Gang by Mom, le flash out de One, c'est Stomage qui rejoint le corps à corps. Le kill est pour Gang by Mom qui n'aura pas fait le déplacement pour rien. Certes, ça libère un peu Ramune sur la mid lane, mais les super massives qui lancent directement l'offensive, comme attendu, Ellie. Tout à fait. Tout à fait, un Stomage qui s'est un peu planté quand même. Ouais, on va voir effectivement, cette action. Son flash n'était pas super propre. Et donc, First Blood pour les pentagrammes, mais 2 kills pour Supermassive. Du quantifier du toit de Yassi qui calme. Et ah notamment ouais, le kill sur le Terry Moyassi hein, qui. Bah, c'est qu'on passe Snowflower V. Ouais. Mais bon, on n'aura pas été ainsi derrière pour bon, lui. C'est la force des. C'est la force des. Derrière, on arrive à trouver le chase. GBM qui arrive à trouver l'assist. Non, qui arrive à trouver le kill même, pardon. Autant pour moi, et double buff pour cette Karma. Ça c'est une très bonne nouvelle, c'est peut-être même le meilleur scénario que vous pouvez avoir Supermassive et derrière justement côté PGM on veut compenser. Gang pour once. Oh mais attends mais Gang Bamum qui n'a plus de flash, Gang Bamum qui utilise directement son shield pour ce speed up et Stomage et once. En tout cas bon Stomage est repéré par les pentagrammes et les Supermassive qui essaient justement de le chercher. Bon il est au niveau du carapateur, on passe niveau 4 pour once. Qui pour l'instant répond quand même présent malgré le surplus de kills récupéré par les Supermassives sur la bot lane. Il était là au rendez-vous justement ce défi qu'on attendait autour de la duo lane et qui devrait se perpétuer au passage du niveau 6 du chaîne notamment. Il n'y a pas de raison que Snowflower s'arrête dès que Fab Fabulous aura son 6. Supermassive va tenter d'y retourner. Ouais, effectivement, et Stomage est en terrain miné. Hein. Très pride ma contre pour les PGM. Même si ça ne suffit pas tant que ça, et encore, je dirais, il y a ces deux kills, c'est seulement 300 gold. Hein. C'est une Caitlyn avec un Kull. Si on arrive à trouver la posture défensive et à trouver le scaling pour PGM, tout n'est pas encore perdu. Surtout qu'il n'y a pas de flash pour la Leona pour l'instant pour Stormflower, pas de Leona non plus pour Zeknod. Donc on devrait peut-être un petit peu calmer ses ardeurs au niveau du bot side pour Supermassive et au niveau du mid pour la Karma de Gang by Mom. Quand même difficile d'aller chercher un snowball sur une Syndra. D'ailleurs, Ramin qui a fait le choix du grimoire déchaîné. Pendant qu'on a une intervention bot. Ouais, bon, on y croit peu. Hein. L'avoir de contrôle, on va peut-être la récupérer pour once. Il faut au moins la prendre celle-là, mais il fallait être prudent du côté de Snowflower et de Zeknod. On était sur un timing où Stomage et Gang by Mom venaient de retourner à la base. Donc, interdiction de s'exposer dans ce genre de cas. Mais maintenant que Stomage revient du côté. Bas de la carte, Stoneflower et Zeknod vont pouvoir se réavancer. Et attention à cette Elise Red Smite, hein, pour le coup. Ouais. On aurait pu faire le choix du Blue en mode contrôle. Non, Stomage, un petit peu à l'image de cette composition d'équipe. Hein, on est vraiment là pour faire un maximum de dégâts. On est là pour désintégrer cette équipe japonaise qui, pour l'instant, il faut le reconnaître, c'est un bon. On est même remonté devant en termes de farm au côté pentagramme. On arrive à scale, voilà, la Caitlyn fait jouer égal en termes de CS. Au niveau du mid, Ramune avec sa tier, ce qui va pouvoir stacker tranquillement. Par contre, attention, chez GPM, c'est un choix de bannière de commandement first item et ça. Ouais, classique. Ça, c'est le match-up gratuit. Classique pour Karma, qui sera une très bonne phase de lane, mais peut se permettre de rapidement build cet item. Et ça pose des problèmes à la plupart des millénaires. Hein. De toute façon, on s'est retrouvé face à une bannière de commandement Stomage. La percée dans la jungle de Wands. Il prend la vision et ne contestera pas le camp ici finalement. Ah, il a contesté, mais attention à l'arrivée de Gaeng, Stomage qui pourrait être surpris par le support des pentagrammes et qui contrôle. Hein. Snowflower a fait le déplacement également. Gaeng semble dans un bon jour et c'est important hein, parce que une fois de plus sur la première journée des phases de groupe, il avait vraiment soufflé le chaud et le froid hein, sur son Alistar et sur son Thresh si je me souviens bien. Là pour le coup on a l'air d'être en bonne forme. Pour ce joueur coréen récemment acquis hein, par cette équipe pentagramme, ils en ont besoin. Yutori Moyashi, c'est vraiment le joueur, je dirais, à surveiller. C'est le joueur qui peut porter des espoirs japonais. Et on sait à quel point, en fait, un Canadien est dépendant de son support, au moins en début de partie. Pour l'instant, on tient bon. Malgré cette mort d'accusé, le cut qui va faire du bien au niveau du proc. Par contre, attention. Le Flower. Oula, pour le coup, top. Non, ça ira, on ira pas plus loin. Le Flower qui va récupérer le flash et surtout le niveau 6 de Leona qui a pas tardé. Chips, la dive comb qui va pouvoir se mettre en place. Voilà, avec cette ulti du chêne qu'on attend. Ceci dit, Dieu de la Forge et Paz récupère
le flash de Fab Fabulous. Ça, ça peut compter quand même, hein. Sur un ulti du chêne, il n'y aura pas la possibilité pour les prochaines lunes de mettre un taunt flash. Mais bon, cette présence de one stop, ça se paye. Les supermassifs qui invadent directement la jungle des pentagrammes. Et on peut voir Gang qui recule avec Yutori Moyasi. On sait qu'on est en danger avec la présence de Watts en haut de la carte. Donc on recule pour Yutori Moyasi et pour Gang. Mais tout ça, ça laisse la possibilité à Zeitnot d'être dominant, de prendre de l'avance au farm. Et ce dragon des océans, important vraiment pour cette early game, récupéré par les supermassives. Ah, ça va faire du bien. Hein. Ça va faire beaucoup de bien. Parce que là, c'est un scénario dans lequel les lines elles sont longues pour le moment. Et ce match, ça va aller. Un smite. Rappel directement. Pour toi, once, Winter Jungle. Alors, ok, Fab Fabulous est quand même gêné sur le haut de la carte. Mais sa situation en tant que chaîne peut être compensée à tout moment sur un ulti sur la bot lane. Et d'ailleurs, le 6 de Stoffler est là. Donc, ce serait pas étonnant de tenter un dive maintenant. Ouais, du côté voilà. Des supermassifs, Yutori Moyasi qui va pouvoir s'échapper. Fab Fabulous qui revient et met taunt de flash, mais qui n'a pas son flash disponible. Il est en contact sur Yutori Moyasi. Snowflower en danger. Le TP de base, ils sont agressifs, les supermassives. Mais ça ne se passe pas forcément comme on le souhaitait. Yutori Moyasi qui tombera sur une dernière auto-attaque de Zeitnot. Mais Zeitnot ne survivra pas à ce all-in. Et le kill sera récupéré par les pentagrammes. C'était quand même assez téléphoné du côté des Turcs de Supermassive, et la réponse de Pentagram a été excellente, hein. On est au même nombre de kills et Pentagram est devant au gold. Et notamment Yutori Moyasi là, qui arrive à nous sortir le flash à 3K Elo. Il va falloir voir le replay pendant qu'on a un Fab Fabulous qui... Après Yutori, le problème c'est quand même qu'il est dans le dur au niveau du farm. Oh, donc il le paye quand même, hein. Il la paye cette agression Yutori Moyasi. Maintenant, on peut pas dire que Supermassive prenne l'avantage qu'ils espéraient. Regardez cette qualité. Parce que c'est une Leona qui flash Q. Il arrive à flasher à la limite de l'ulti Leona. Il prend pas l'âme du Zenith. Et grâce à ça, en fait, il tempo. Ah, il force le focus de Fabulous. Il force Zeitnot qui, vous allez voir, va aller très divin. Zeitnot, c'est ulti flash. Et derrière, il va aller prendre deux coups de tour. Il arrive même pas à la paye. Dans tous les cas, cette opération, il fait un travail. C'est grâce à lui que l'opération est rentable pour PGM, pour moi. Ouais, mais après c'est sûr que bon, cette Caitlyn subit quand même un peu dans ses phases de jeu. Et Dieu de la forge pour Paz. On cherche à clear, on cherche à mettre des dégâts en même temps. Stomage, oh, une ouverture sur Yutori. Moyasi, Stomage qui prend le kill. Et ça c'est mauvais, hein, pour Yutori. Ouais. Moyasi, une troisième mort pour lui. Surtout deux consécutives à Ellie. Il a pas touché de farm depuis 1 minute 30, Yutori Moyasi. Oh là, attention, Fab Fabulous. Attention, Rastomex qui vient faire son back, c'est dur ça pour l'équipe turque. Et la soumission, le red smite, le taunt, la tournée pas loin, elle est arrivée de Ramune, le charme, on ne lui laisse aucune porte de sortie, pas de flash de disponible pour Fable Fabuleux. Et la tristesse de déception qui offrira une T1 top à l'équipe Pentagram. On arrive à la bombe tac au tac, après c'est vrai que tu l'as dit, Chips. 1 minute 30 sans farm pour une Caitlyn. Et encore, j'ai envie de dire, on n'est même pas 20 creeps derrière. Le bilan aurait pu être pire. Dans tous les cas, c'est Caitlyn qui va prendre beaucoup de temps à être efficace. Pour Yutori, on est surtout ici en position de... Voilà, c'est tel un nouveau-né. Il faut le choyer. Il faut lui laisser un petit peu de ressources. Il faut le laisser manger. Il faut le laisser faire sa sieste jusqu'à 25 minutes de jeu. Et après, on pourra discuter. La bonne nouvelle pour PGM, qui d'ailleurs est devant Chips en termes de goal en 1 minute de jeu. Oui, oui, ils sont devant. Et effectivement, ils désamorcent bien les situations initiées par les supermassives. Et bon, si le match suit son cours comme ça, les pentagrammes pourraient atteindre le pic d'efficacité de leur draft. Zeitnot surpris par Wands et par Ramune malgré le TP. Alors c'est pas Fabulous qui va arriver à la rescousse. Le taunt sur Ramune et directement ulti Stoffler. Ramune, un ulti encore à corps sur Zeitnot et Ramune prendra ce kill finalement. Il tombera, mais en emportant tout de même le carry à des Turcs avec lui. Il gagne du temps Ramune, est-ce qu'on peut retrouver un stun? Non, pas suffisant. Et ça s'est joué à peu de choses dans Zeitnot. Très belle temporisation sur ce pilar qui, pourtant, on le sait, un trundle gêne énormément Xayah. Tout simplement parce que bah, l'ulti, avec un élément de décor comme ça, t'empêche de te positionner comme tu le souhaiterais. On se replace avec la fureur des lames. Double route dans le bush. Le taunt de Fabulous qui est très bon. Et la Ramune, il le sait. Quand il voit l'ulti Leona, c'est la mort. On veut prendre le track kill. Et le trundle max range, hein, sur cette orbe. Derrière, bien sûr, bon,
pas d'autre solution que d'y passer sur cette phase de course, le cas. Eh oui, mais encore une fois, Pentagram qui prend des situations intéressantes maintenant. Les difficultés devraient quand même commencer parce que déjà il va falloir gérer la bannière de Gang by Mom. Ça va être difficile si Gang by Mom se retrouve face à Ramune ou à Paz. Il va avoir des ouvertures, le mieux étant face à Ramune, hein, bien entendu. Encore que, bon, la Syndra justement cette capacité à prendre à incapacité des creeps pendant un temps. Donc on verra si Ramune réussit à gérer un peu face à cette karma, même si normalement Gang by Mom, là on le voit. Et d'ailleurs, plus de... Ah, il vient d'utiliser son dernier stack de désintégrateur, Paz. Donc là, plus de désintégrateur du côté des pentagrammes et donc un Gang by Mom dans à chaque tour. Oh, Gaeng, la Kling, c'est qu'il soutient. On cherche même pas à prendre Gaeng. Pas il retourne un peu, c'est dangereux ce qu'il fait, Gaeng. Il s'expose, il voulait sans doute bait pour l'arrivée de Wants. En réalité, c'est très bien joué, hein, parce que plus Leona, seulement sur le fait de revenir pendant une demi-seconde, c'était quand même très malin de sa part. J'avoue qu'on s'en a fait qu'un tour là-dessus, mais belle opération de la part du support coréen. Donc derrière, attention, quand même, il y a un flash pourtant. C'était United, on peut temporiser, il y a Vital. Est-ce qu'ils peuvent gagner le 2v2, les supermassifs? Ça semble délicat, vu les points de vie actuels de Gang by Mom. Gang by Mom, le flash out, le flash in de la part de Wons. Et le kill est rapidement récupéré sur le mid-laner coréen. L'arrivée de Snowflower également. Zeknot est là, les supermassifs à 4 pour tenter de corriger les deux joueurs des pentagrammes. Et pendant ce temps-là, on a Gang justement et Yutori, Moyasi en train d'arriver. Peuvent-ils retourner à la situation? Les pentagrammes, le knock-up de Gang, Stommel qui va tomber. La première mort d'ailleurs du jungler des supermassifs, non, et c'est dans ce play-in. C'est pas fini, Ramune qui va s'en sortir. Yutori, Moyasi qui prendra enfin quelques golds. Et les pentagrammes qui prennent le meilleur, 2 golds d'avance pour l'équipe japonaise. Un KDA de 6 pour Wants qui trouve une très belle faille sur cette phase de jeu et Ramune qui se gave un héros de la faille à valider derrière. Gang by Mom qui alors bait intelligemment maintenant qui monte clairement de respect. En fait on a fait beaucoup trop de dégâts et ce fuck up il n'y a pas le droit de faire. Bah, il fallait flash en fait pour Gang by Mom dès le début. Ça se flash des dieux de la forge. Ça se respecte et c'est vrai que derrière son flash aurait pu lui permettre de conserver beaucoup plus de points de vie pour l'arrivée de Fab Fabulous. Et je ne pense pas que dans ces conditions, je suis pas sûr que le Horn et le Trundle auraient pu prendre le kill. Toute la karma a quand même son lien, qui permet de... Enfin, voilà, mais là, vu les points de vie à la base, c'était très difficile pour lui de survivre. Et derrière, les pentagrammes qui réussissent à soutenir Wants et Paz. Et ils sont devant 2000 gold d'avance pour les Japonais. Et c'est là qu'on voit que le shot draft il coûte cher en fait à Supermassif parce que bah, c'est un Horn et c'est un Trundle qui kite, qui sont très longs à tomber et qui laissent tout le temps à Yutori Moyasi, à Gaeng, à Ramune d'arriver en backup. Et derrière c'est une situation de 5v4 après speak up sur GBM. Donc pour le coup, belle opération une fois de plus pour l'équipe japonaise qui... Ah Gaeng il arrive à le rappeler, c'est dur. C'est suivi. Oh, qui est en position du... C'est mal payé pour Gaeng parce que ça aurait été beau de s'en tirer dans ces conditions. Stomage qui pourra finalement prendre le kill et les supermassifs qui trouvent une ouverture sur cette mid lane avec la bannière de commandement. On n'a pas dit son dernier mot hein, du côté de l'équipe turque. Certes, les pentagrammes répliqueraient. Oh, l'engage directement de Snowflower. On ne laisse pas respirer Yotori, Moyasi, les pentagrammes. Complètement submergé sous leur tête. Quoique on commence peut-être à aller trop loin du côté de Stomel. Peut-être la deuxième mort pour le jungler turc. Paz qui est à la poursuite, qui devrait prendre le kill. Et Stomel qui survivra finalement. Et Supermassive malgré leur action hyper agressive qui prennent le meilleur, Ellie. Pour le coup, alors je vous cache pas qu'un replay ne sera pas trop pour comprendre ce qui vient de se passer. En tout cas, tout a commencé d'un pacificateur de Piltover très candide de la part de Yutori Moyasi qui s'est fait sniper pour un Snowflower qui a donné le tempo. Les gars, bon, on est en train de se faire dépasser par l'équipe qui est dernière du groupe. Ça va pas être bon. Regardez-moi ça. Ah ouais, non. Allez, t'as pas le droit. Allez, derrière, c'est l'âme du Zenith Taunt. Vanish de la Caitlyn. Le jeu de la forge, très bon cocon de Stomage qui du coup interdit la réactivation. Et Ramune, en fait... Le focus qui part sur Wants, il est un peu contestable, mais derrière surtout ça permet d'isoler Ramune qui bon là n'a strictement rien à faire avec ça. Oh, le con directement de la part des pentagrammes, on était dans le camp
de l'équipe japonaise. On se retrouve dans celui des Supermassive qui concèdent leur T1 sur la mid lane. Et Supermassive est revenu au goal, mais Pentagram continue à s'accrocher. Et encore une fois, vu la draft, vu les moyens qu'ils ont en teamfight, s'ils arrivent encore à gagner 5 minutes sans tomber trop derrière, ils ont, je pense, un vrai coup à jouer dans ce match. Tout à et fait. Ils pourraient réaliser l'upset peut-être, Eli. Tout à fait, ouais. C'est bien parti pour, en tout cas, 18 minutes de jeu. La courbe des Spike qui va pas tarder à s'inverser, hein, parce que la pression naturelle proposée par une Karmamine, elle va s'essouffler petit à petit. Point qu'on a un de la part de Gaeng, de Stanulati, de Triple Charm, ça s'appelle Festomage. Oh, et on rappelle, superbe esquive sur ce dieu d'Aforge. Attention à Gaeng, attention à Yutori Moyassir. Regardez, Fab Fabulous avec son chaîne conquérant qui est en train d'éclater la backline BGM. Et derrière, c'est Wands qui est séparé maintenant de ses coéquipiers et qui est pris en chasse par les Supermassive. Wands qui bénéficie du surplus de mobilité de sa zone et aucun joueur Pentagram ne tombera sur cette phase de jeu. Mais le dragon sera pour les Supermassive. Ouais, dragon effectivement pour équipe. Et le top directement, on a Fab Fabulous qui s'y dirige. Le push est en faveur des Supermassive. Cependant, ça me semble un peu compliqué quand même d'aller chercher cette première tour. Les pentagrammes devraient pouvoir défendre. On a fermé le jeu pour l'équipe turque. On a sorti de 2 cagoles d'avance pour Pentagram. Il a fait peur. Parce qu'on le sait, il y a une date de péremption cette composition d'équipe. Hein. Même s'il y a une Xayah qui va pouvoir scale, derrière, rien que le duo en fait, Karma plus Elise, il risque de coûter relativement cher. Et derrière, bon, ça se ressent. Hein. Dès qu'on joue vraiment sérieusement pour Supermassive, on reprend ascendant, c'est Dragon validé, c'est 2 gold de remontée très vite, on a même repris 500 gold d'avance là-dessus. Maintenant la question aussi, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tard, parce qu'on a 20 minutes de jeu, parce que la Caitlyn, alors elle est certes derrière en termes de gold, mais il y a le cul qui approc, il y a Rapid Fire Canon qui est en place, donc on va pouvoir quand même trouver un petit peu de pop, l'IE. Elle va pas tarder à sortir. Et la frontline, surtout, la frontline est très efficace. On a pu le voir. Ouais. Le duo Paz et Wands, il pose de vrais problèmes à Supermassive. Ouais, ça fonctionne très bien pour l'instant. Et encore une fois, on le sait, la draft des pentagrammes est vraiment très solide en teamfight. Et elle a beaucoup plus d'atouts que celle des Supermassive. Donc maintenant, on va voir si. Enfin, ce Horn, notamment, ce Horn qui fait la loi en teamfight et qui est un des tanks ultimes du jeu. Oh ouais, il fait dans ce compartiment. Et Pentagram qui prend la position autour du Nash. Ah oui, emmené par un Once, on a pu voir la stat hein, qui, en fait, sur le day 2 était à 32% de jungle proximity, là qui est passé à 41%. Il fait vraiment un énorme boulot dans cette game, il faut le reconnaître. Beaucoup plus de présence. Ouais, au niveau de Once, tout simplement. On l'a vu dès le début, on s'attendait à une agression de Stomage, mais Once qui a répondu présent et qui est allé au défi également. Certes, ce premier échange est allé en faveur des Supermassives, mais. On avait du coup pris la température de la jungle Pentagram et Wands avait décidé de ne pas laisser quartier libre à Stomage. Tout à fait. Et maintenant, Supermassive qui, voilà, on continue de jouer autour de la bannière de commandement de Gang by Mom. On essaie de déborder notamment cette Syndra. Et pendant ce temps-là, les Supermassive qui vont tenter de mettre des engages avec Snowflower et Stomage. Les Turcs ne peuvent pas se permettre de ralentir le rythme. Ils n'ont pas une draft qui gagne normalement le scaling et les teamfights. Et Paz qui prend son 1v1 face à Fab Fabulous. Once, on tient avec la soumission. Plus du petit de la part de Snowflower. Et au niveau du bot, Fab Fabulous. Le chêne conquérant ici qui prendra le meilleur sur Paz. Ah. Ça coûte cher. Ça fait beaucoup bien l'équipe turque. Ça veut dire une T2 en danger. Ça veut dire surtout pas pour PGM. Il faut relâcher au niveau topside cette défense. On va devoir envoyer un joueur au niveau du bot et ça va être Yutori Moyassir. D'ailleurs, on va avoir l'action. Elle passe, qui était en confiance, et trouve le dieu de la forge. Qu'est-ce qui s'est passé, Chips? Après, Conqueror en dégâts réguliers. Quand la charge touche, c'est. C'est très étrange, ouais. Waouh! Oh, bon, il a fait pour ça. Mourir. The Flower qui force le flash et la clean sur Ramune. Attention, le contre peut-être. Arrivé de Once, la tour est tombée. Comme attendu, un Supermassive qui profite. Du déséquilibre côté Pentagram avec la mort de ce chêne et le dive top, enfin le dive top, en tout cas la tour top leur appartenait et si Pentagram résistait, c'était le dive. Maintenant Supermassive qui a la situation pour jouer le Baron Nashor, Ellie, et il va juste falloir qu'il prenne complètement le contrôle de la vision et qu'il trouve l'engage souhaité grâce à la Leona de Snowflower notamment. Ouais, ouais clairement. Et là, pour le coup, plus de summoner pour Ramune, ça va être une cible de choix. Et le Séraphin, plus tes bottes de Mercure, ne seront
Malheureusement pas suffisant je pense hein, face à la déferlante de dégâts. Il faut voir en tout cas. On a enfin des paliers de stuff convaincants du côté du Terimoyashi avec cette IE qui est terminée. Et derrière la petite cape du néant qui laisse présager une QSS hein, qui va faire beaucoup de bien. Ça c'est un point important parce que ça veut dire que Fakitin va encore devoir attendre un petit peu pour être vraiment efficient en termes de DPS. Ça veut dire que la fenêtre des surmassives elle est encore disponible en fait tout simplement. Après faut pas traîner, notamment peut-être pick-up sur One, c'est le Q-Spec qui sera raté pour GBM. Et je regarde après, le stuff aussi un peu supermassif. Zonia hein, sur Stomage, les dégâts sont de moins en moins présents quand même pour l'équipe turque. Ouais, maintenant la Xayah de Zeytnod va avoir toute la protection que pourrait souhaiter un AD Carry avec une Karma et un Shen. Donc Zeytnod peut concrètement gagner les fights pour son équipe. Et c'est vrai qu'après, dans pas longtemps, si jamais Pentagram réussit à tuer Zeytnod, il n'aura plus grand chose à proposer pour l'équipe turque. Ils ont de quoi le protéger et il faudra absolument le maintenir en vie, Zeytnod. Hein. Il n'a pas le droit de mourir parce que sinon, Supermassive s'écroulerait. Complètement, ouais. Complètement. Et c'est séquence ouais. De prise de vision pour Supermassive. Attention tout de même à Snowflower, surpris par Once. Pas mal là-dessus, hein. On arrive à gratter. C'est un petit cinquième de barre de points de vie. Sur une Leona, bon pourquoi pas. Paz pour l'instant là qui fait l'électron libre là entre cette bot lane et cette mid lane. Rotation mid du coup pour Supermassive. Attention gang. C'est slow. Ouais, pas assez de dégâts. Hein. GBM, on arrive à trouver un lien. La Cleans. Deux forcés à deux joueurs là pour Supermassive. Bien tenté, plus utile là tout de même. Un timing du coup de 30 secondes, 35 secondes pendant lesquelles PGM va pouvoir reprendre un petit peu de contrôle. Mais prochaine phase de jeu. Pas de summoner, enfin en tout cas pas de clean sur Gain, ça pourrait faire mal. La bonne nouvelle c'est que Yudor Imoyasi lui a récupéré son flash. Ce qui explique aussi peut-être un petit peu pourquoi côté équipe turque on a envie de focus justement sur les supports. A voir sur Amine aussi, pas de flash pour le moment mais clean dispo. Et c'est là que le grimoire déchaîné il prend tout son sens aussi Chips. Oui, Ramune qui effectivement peut s'adapter au fur et à mesure de la partie. Et là, c'est vrai qu'il va récupérer vraiment très facilement sa cleanse avec des boosts de mercure. Il est quand même un peu moins en danger face aux engages de Snowflower, même si ça peut aller vite. Après, c'est vrai que ces items le portent quand même à être dur à tuer. Avec Morello, avec le shield du Séraphin. Ah, le Morello qui va faire du bien. En tout cas, Supermassive, oui, c'est sûr, il faut quand même essayer de se presser, parce que même s'ils ont un bon mid-game, même s'ils ont double bannière de commandement, à la régulière, en late, on a quand même tendance à voir les pentagrammes peut-être plus fort. Bah, pour l'instant, Pentagram qui manque clairement de vision. Le job a été fait maintenant côté Supermassive. Il faut tenter d'en profiter et punir les joueurs Pentagram lorsqu'ils viendront récupérer la vision. Et ça, c'est le pick Caitlyn en fait, hein, qui va pouvoir finir avec Xayah. C'est là qu'on va voir de quel bois se chauffe Zeytnod pendant que Fafabulous. Là, ça fait un peu calmer. Ouais, bon, les dégâts du Torimulessi sont quand même assez légers. Et cette. Je me demande si une Xayah protégée par une Karma Shen peut se permettre d'ignorer le déficit de range qu'elle a face à Caitlyn et forcer peut-être un petit peu le positionnement au niveau des teamfight. Bah, le truc c'est que Zeytnod dans tous les cas il devra taper sur ce qui est disponible, donc le Rakan, le Trundle, ce Horn aussi sans doute. Parce que pour moi c'est le travail du Victorian Menace qui doit faire en fait. C'est on focus sur la Xayah, on la force à reculer en permanence, derrière on laisse Ramune peut-être arriver à trouver les contrôles et à faire reculer un petit peu la frontline. Frontline qui est pas si grosse que ça en réalité. Hein. Un chaîne c'est tanky, mais un chaîne ça encaisse surtout par le refus spirituel. Une Syndra peut arriver à le calmer un petit peu. Derrière, il y a une soumission qui va partir de la part de Wands, donc ça veut dire que ce soit Fafabulous ou Snowflower, on va avoir un tank qui va avoir son panel de résistance largement réduit. Et derrière, bah, une Syndra, même si t'as pas envie de mettre un déferlement sur un tank, dans ce genre de situation, ça peut être envisageable. Oui, non, mais c'est clair que côté Supermassive, encore une fois, le team fight à 40 minutes de jeu à quasi égalité au gold, je ne le mets pas en leur faveur. Maintenant, là, ils essaient vraiment de forcer autour de ce baron. Le problème, c'est qu'il y a ce carapateur qui a été pris par la Pentagram. Ça fait 30 secondes de plus à attendre. Le temps, bien sûr, qu'il tombe. Et c'est encore du temps perdu pour Supermassive, ou en tout cas qu'on ne peut pas exploiter autant qu'on le voudrait. Mmh. Et Pentagram qui joue assez intelligemment, qui s'expose pas trop.
qui réussit à régulièrement reprendre un peu de vision autour du baron. Et pour l'instant, la situation fait qu'il ne craque pas Ellie. Donc la balle est toujours dans le camp des supermassives. Mais encore une fois, il faut se presser. Et là, on voit ce duel bot à coup de bannière. Fabulous qui essaie d'extraire quelque chose de son speed push pour permettre à son équipe peut-être d'accentuer un peu la pression, mais pour l'instant Pentagram reste en place. Ça y est, c'est le call de la part des supermassives. Est-ce qu'on a les dégâts? Et c'est là que le Zonia deuxième item, oula, attention, l'Iron Solari qui a été forcé. On se replace, Nashor, Stomage qui prend très cher là-dessus, hein. Mais le Nashor qui pourrait tomber, parce qu'il va tomber. Très bon call pour Supermassive. Ça c'est bien joué, bien tard. Hein. C'est bien joué, les Pentagram n'ont pas osé forcer le passage, ils avaient trois joueurs devant eux, mais il aurait peut-être fallu y aller, sachant que Zeitnot aurait mis un peu de temps à arriver dans le fight. Il y avait possibilité, Pentagram qui a peut-être été un peu trop timide sur cette phase de jeu et qui perd le baron. Et là par contre, côté Supermassive, c'est le timing à exploiter jusqu'au bout. Ah oui, celui-ci, s'il passe pas, ça va être très très dur. Bah, il faut... Là, il y a Rabadon terminé pour GBM. Il y a IE terminé pour Zeitnot, il y a ce buff Nashor. On est à 29 minutes de jeu, là Elise va avoir l'intérêt qui va vraiment être négligeable plus tard dans la partie. Si ça passe pas maintenant, j'avoue que pour moi la victoire japonaise, elle semble alors peut-être pas 100% validée, mais très très bien embarquée en tout cas. Belle intervention, et c'est vrai que c'était pas évident de faire ce call Nashor, parce que bah voilà, une Elise, c'est fort pour ça, mais ça a manqué d'un petit liandry. Et ce match, pour vous reconnaître, avec son Zonia, on l'a vu, il a pris tellement de dégâts. C'est Nice qui a du mal à trouver sa place quand même, je pense. Bah, il a été actif en early Stomage, maintenant c'est sûr que bah voilà, le temps passant, Elise n'a jamais été un très bon champion de late game. C'est notamment un des problèmes des supermassives. Donc... Après, ces cocons peuvent toujours être dangereux en siège. Ils peuvent permettre à Snowflower d'assurer un contrôle. Et c'est sûr que Elise n'est pas... le champion numéro 1, et la Ramune, voilà, qui utilise justement, on en parlait, cette capacité de Syndra à ramener des sbires bannières, et donc par cette mécanique Pentagram peut peut-être un peu juguler au moins la percée des supermassives. Tant que Pentagram perd pas de T3, honnêtement ça va, mais s'il perd une T3, il peut y avoir, ça peut être un peu plus problématique. Donc il faut pas hésiter à menacer autant que possible les joueurs supermassives via les pieds de Trundle, via les stuns de Ramune. Il faut pas que Supermassive passe la porte de la base des pentagrammes. Tout ça, simplement. C'est ça. Encore 1 minute 30 à tenir. Est-ce que ça peut faire une Caitlyn, hein? Caitlyn, Syndra, ça reste comme tu disais un scénario, un duo de champions qui est très efficace dans cet exercice. Base par contre sur le bot side, on sent en souffrance contre un Fabulous qui sort vraiment un très très bon playing pour le moment. Attention to power, attention once, la solution n'a pas été forcée. On l'engage directement! Gang sur Zeitnot, Zeitnot qui prend pas mal de dégâts, qui utilise son ulti. Attention au dieu de la forge également qui est loupé pour passe. Dommage quand même, dommage de ne pas menacer un peu plus ces supermassives, même si j'avais l'impression que le follow-up n'était pas là. Gangbamom qui trouve une très bonne flamme intérieure sur Ramune. Ramune en difficulté peut-être là pour tenir, et finalement ça passe, j'ai l'impression, du côté des supermassives. La pression qui se concrétise au niveau de la bot lane, la top lane, Gangbamom qui peut reculer, les 3 T3 tombent du côté des pentagrammes, c'est la rupture finalement. À 30 secondes de la fin du buff baron, Gangbamom qui cherche également à menacer ses adversaires, Pentagram qui perd pied au pire moment, Ellie. Ouais, c'est sûr. Mais Supermassive, hein, très bonne phase de pression. Allez. Et Ramune qui se fait engager, Ramune avec le chien du Séraphin qui va peut-être survivre finalement. Oh là là, et derrière Wens qui va te sacrifier le flash out, la soumission, ça ira avec cette active du Randouin. Et derrière, sur les 10 dernières secondes, est-ce qu'on peut porter le coup fatal chez Supermassive? On a l'air de bien décider en 3. Ils vont finir maintenant Supermassive. Et c'est la chose à faire, il faut pas laisser la game traîner du côté de l'équipe turque. Attention, passe qui cette fois-ci va toucher son ulti. Les Supermassives peut-être repoussés. Fafabelous sur Yotori. Moyazdi, Fafabelous finira par tomber. Reste Zeitnot qui prend le soutien de la Karma de Gangbamom. Ses shields sont absolument monstrueux. Zeitnot qui flash out face aux agressions de Ramune. Le contre de Snowflower. Ouais, Snowflower qui kite. Snowflower qui arrive à porter les contrôles. Ramune qui va tomber. Zeitnot qui se fait plaisir. On n'arrivera pas à trouver l'ultime lock sur le duo gang plus Paz, Medea, Nexus et Danu GBM. Attention à toi, Moyassi qui n'entend pas de cette oreille. Gang qui va re-rentrer, Zeitnot sur le Nexus. Le Nexus, Zeitnot qui est dessus. La game qui sera finalement remportée par les Supermassives.
sur une phase de jeu où on a senti un peu la désorganisation et le manque de précision du côté des Japonais de Rampage, de Pentagram. Ouais. Cette phase de jeu, cet engage qui finalement leur coûte le match, tout simplement, ils n'ont pas réussi à enchaîner les choses comme ils le voulaient sans doute. Et c'est une victoire pour Supermassive, même si ça n'a pas été aussi dominant qu'on l'attendait. Ouais, je pense que c'est la chose que personnellement je retiendrai de ce match, c'est que on a peut-être donné Supermassive gagnant un peu vite. On s'est fait peur leur league game, pourtant avec une composition d'équipe qui se voulait archi dominatrice dans ce temps de jeu, n'a pas été aussi forte que ça. On s'est fait lead, on s'est fait surprendre avec un Wans qui a été très chaud, avec un Yutori Muyashi qui a su se sacrifier, j'allais te dire, pour l'équipe, puisque clairement c'est Nketin qui a pris la foudre dans ce match. Et d'ailleurs, ah oui, il s'est fait largement focus, mais on s'attendait à ce que de toute façon la draft oriente le jeu du côté des tueurs vers la bot lane. C'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas toujours non plus été massivement payant en termes de gold. Maintenant, c'est vrai que Yutori Muyashi a été mis derrière pendant un long moment dans ce match. Ah, il avait encore besoin de 5 bonnes minutes, je pense. Ouais, c'est vrai. Et bon, derrière, après Pentagram qui pêche sur ce Cold Nashor un peu candide, mais c'est une équipe qui a moins d'expérience aussi. Enfin, on n'est pas dans le même calibre entre l'équipe turque et l'équipe japonaise. Et ça fait vraiment plaisir, en tout cas, c'est ce que j'entendais de ce match une fois de plus, de voir l'équipe japonaise arriver à faire face à l'équipe turque qui, bah une fois de plus, est vraiment archi dominatrice dans ce groupe. Hein. Ils ont éclaté absolument tout le monde. Ouais. Pour moi, c'était un match à sens unique, ça n'a pas été le cas. Ouais. Disons que je pense, honnêtement, si Supermassive joue comme ça, peut-être contre d'autres équipes un peu plus solides, bon, les deux autres, les Brésiliens ou les Dire Wolves, c'est pas dit qu'on n'ait pas des surprises. Hein. Donc, on va attendre bien sûr la suite. Mais pour Supermassive, on est désormais à 4-0 et vraiment pas loin d'obtenir son ticket pour le knockout stage. Le prochain match, Hailey verra s'affronter les Kaboom Esports et les Dire Wolves. Un match important. Kaboom qui a peut-être l'occasion de revenir un peu dans son group stage sur cette rencontre. S'ils perdent, ce sera définitivement perdu pour les Kaboom, puisque Supermassive est déjà à 4-0, donc impossible de revenir. Donc match importantissime pour la communauté brésilienne. Les Australiens sont pour l'instant la petite surprise. Ils sont devant les Brésiliens et on va régler ça dans le match suivant entre les deux équipes. On se retrouve après la pause sur Eurogaming.